J'ai beaucoup apprécié ça. Je vois que vraiment le chef d'État, il fait partie des rares chefs d'État qui arrivent à faire les discours en langue. Donc ça veut dire qu'il y a une considération envers la population. Et l'appréciation aussi que j'ai eue à travers ce discours est que le chef d'État a débattu sur les thèmes qui nous tiennent à cœur en tant que population. Moi, je suis Nigérien, je ne peux que suivre le discours de mon président. Je lis en lui un patriote, un homme qui aime son pays, qui a des ambitions, en tout cas, pour remettre le Niger sur les rails. C'était une satisfaction totale, parce que pour la première fois de l'histoire, depuis le feu président Kounké, nous n'avons jamais vu un président nigérien s'adresser aux Nigériens de la sorte. Et vraiment, il a touché toutes les sensibilités. Il a fait les deux langues, et que les Nigériens se retrouvent à travers ces deux langues, dont la langue germane et la langue Hausa. Donc il était impeccable. Je pense que le discours du président, vraiment c'est un discours qui nous fait vivre quoi de plus dans notre pays. Et que c'est ce qui concerne la patrie, la sauvegarde de la patrie. Et nous on est là aussi pour lutter, pour accompagner le CNSP à pouvoir poursuivre sa mission, à pouvoir aussi sauvegarder notre patrie. Parce que le Niger c'est pour nous, c'est pas pour quelqu'un. Donc nous, on n'a pas un autre pays comme le Niger. Donc ça veut dire qu'on est obligé aujourd'hui de défendre la patrie. Et c'est vraiment la raison pour laquelle nous, aujourd'hui même, on est sorti aussi pour manifester notre joie. Et vraiment le discours qu'il a eu à tenir hier, ça nous a beaucoup convaincus. Et encore, ça va nous permettre de lui faire plus confiance. C'est vraiment un discours cohérent et vraiment un discours sans démagogie. Il a parlé clairement et tout le monde a compris ce qu'il a dit. Son message a vraiment passé. Et comment vous trouvez ce message? Le message là, vraiment j'ai dit que c'est un message qui a été très, très véridique. Tout le monde est content de son message.